Bonjour tout le monde, bureautique avancée, cours Word avancé, premier chapitre, création de modèles de documents, c'est-à-dire des modèles personnels de documents. Nous savons tous que lorsqu'on veut créer un document Word, Word nous propose des modèles, par exemple ici au Minovo, il nous propose un modèle de rapport, un modèle de bienvenue, un modèle de calendrier, un modèle de CV, etc. etc. Et ces modèles, on peut bien les utiliser pour créer un document Word. On peut commencer à zéro, c'est-à-dire saisir un document Word à zéro en cliquant sur « Document vierge ». Et on peut aussi utiliser les modèles personnels, c'est-à-dire on va créer un modèle, on va l'enregistrer sous Word comme modèle, et ça consiste le point de départ de création de documents à partir de ce modèle. Donc, un modèle, c'est tout simplement un document. C'est comme on dit, un imprimé qu'on remplit à chaque fois qu'on veut créer un document. Ce modèle, on le crée et on l'enregistre et on l'utilise comme point de départ pour ne pas recommencer à chaque fois de créer ce document à zéro. C'est-à-dire on trouve déjà une structure, on trouve déjà un format, on trouve déjà un document préétabli qu'on peut le remplir, et lorsqu'on fait enregistrer, on va enregistrer le document comme document Word, et le modèle est toujours gardé comme modèle qu'on peut utiliser à chaque fois. Ce modèle, on l'utilise lorsque on travaille, par exemple, dans une entreprise, et qu'on va créer des documents fréquemment. Par exemple, on va créer un rapport hebdomadaire. Chaque semaine, on va créer un rapport. Donc, c'est mieux, il est préférable d'utiliser un modèle. Et à chaque fois qu'on va créer un rapport, on va appeler notre modèle, on va le charger sous Word et on va le remplir et enregistrer notre rapport. Une lettre, par exemple, un bordereau d'envoi, etc., etc. Donc, ça permet de faciliter le travail et d'éviter de commencer à chaque fois à zéro. Imaginons, par exemple, une administration qui envoie des documents à l'aide des bordereaux d'envoi. Donc, on va faire un modèle de bordereau d'envoi avec l'entête de l'administration, avec le logo, et on va enregistrer son modèle et on va l'utiliser à chaque fois qu'on veut envoyer un bordereau d'envoi, par exemple. Donc, je vais commencer par l'exemple des bordereaux d'envoi. Donc, je vais saisir normalement mon bordereau d'envoi. La méthode que je vous propose ou bien je vous suggère d'utiliser lorsqu'on crée un document de texte, c'est la méthode de la saisie brute ou bien la méthode de saisie au kilomètre ou bien la méthode de saisie continue. Il s'agit de taper votre texte directement sans se soucier de sa mise en forme, c'est-à-dire on laisse la mise en forme jusqu'à la fin, on va seulement taper notre texte et écrire ce qui est dans notre tête, c'est-à-dire tout ce qui concerne le contenu des documents. La forme du document, c'est après avoir écrit le contenu. Donc, commençons par l'entête d'une administration. Je vais prendre le cas du Maroc, par exemple. Donc, je vais commencer par Royaume du Maroc. Royaume Maroc. Je vais choisir un ministère. Ministère, par exemple, des finances.
une direction, par exemple, direction des impôts. Ça, c'est un exemple. Voilà, par exemple, service. Je ne sais pas, comptabilité, par exemple. Par exemple, voilà. Donc, voici l'entête. Je vais mettre la date, par exemple, à Rabat le. Donc, je vais laisser l'espace où on peut écrire la date. Rabat, c'est R majuscule, pardon. Numéro d'envoi, débordeur d'envoi. Voilà, numéro. Ensuite, bordereau d'envoi. Ensuite, je vais insérer un tableau des bordereaux d'envoi parce que le bordereau d'envoi, il est sous forme de tableau. Donc, insertion, tableau. J'ai besoin de la colonne numéro de la pièce, la colonne désignation, la colonne nombre de pièces et enfin la colonne observation. Donc voilà, j'ai aussi besoin de quelques lignes. Donc d'abord, je vais écrire numéro d'ordre. Donc numéro d'ordre de la pièce. Ici, désignation du document envoyé. Ici, nombre NBR, abréviation. Et ici, observation. Voilà. Donc, je vais appuyer sur la touche tabulation pour créer d'autres lignes. Et voilà. Donc, je vais faire comme ça, une deuxième ligne. Et je vais mettre ici total. Total, c'est-à-dire total des pièces envoyées. Total de points. Donc, voilà pour mon bordereau d'envoi. J'ai terminé la saisie brut, c'est-à-dire la saisie du contenu. Maintenant, je vais mettre en forme mon document. Donc, je commence par l'entête. Donc, voilà, je vais choisir l'entête. Je vais aller à accueil. Je vais enlever les espaces après le paragraphe ici. Donc, voilà, supprimer l'espace après le paragraphe. Je vais mettre gras. Je vais augmenter un peu la taille de la police. Voilà, je vais mettre une couleur. Les impôts, je crois que c'est la couleur bleue. Donc voilà. La date, ça se place à droite. Donc je vais choisir. Et paragraphe aligné à droite. Numéro, ça reste ici. Je vais mettre un espace, une entrée ici. Ici, une autre entrée pour mettre un peu d'espace. Voilà. Donc pour le bordereau d'envoi, je peux le mettre au milieu, donc centré. Je peux augmenter la taille de la police. Je peux le mettre gras. Je peux souligner et je vais encore agrandir les caractères des bordereaux d'envoi. Ensuite, je vais aller tout de suite dans mon tableau. Je vais mettre comme ça. Je vais centrer. Voilà. Je vais mettre gras. Je vais agrandir un peu. Voilà. Et je vais diminuer un peu la taille de la colonne. Numéro d'ordre, c'est, ça demande seulement des numérotations. Voilà. Pour la désignation, ça sera un espace plus large. Le nombre, ça peut suffire parce que le nombre, c'est-à-dire des chiffres. Je vais agrandir un peu l'observation. Donc voilà, pour mon bordereau d'envoi, je peux ajouter ici de l'espace. Il suffit de taper sur entrée pour avoir de l'espace. Donc voilà. Voilà, donc il faut que mon bordereau occupe un peu toute la page. Donc voilà, je vais encore mettre entrée. Voilà, donc pour le total
je vais l'aligner à droite, voilà, paragraphe à droite, je vais mettre gras, je peux souligner, donc ici je vais mettre le nombre de documents. Donc je vais mettre ici entrée, jusqu'ici je vais mettre le chef du service, le chef du service. Je vais mettre une virgule et je vais souligner le chef du service, c'est la place, la signature du chef du service avec le cachet de l'administration. Je peux le mettre en gras. Et donc voilà mon bordereau d'envoi. Ici, je peux mettre l'adresse de l'administration. Je peux cliquer ici deux fois pour avoir le pied de page. Par exemple, direction des impôts. Je ne sais pas, 3 rue. Des administrations Agdal. C'est juste un exemple, Rabat. Exemple, 10 000. Et je peux mettre autre information, par exemple, je ne sais pas, téléphone. Je ne sais pas. Voilà. Pas. Rabat 5, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc voilà, je peux mettre l'email. Impôts@ ministère des Finances. .gov. .ma, c'est juste un exemple. Donc voilà, je clique ici deux fois. Donc j'ai mon pied de page, j'ai mon bordereau, j'ai mon en-tête. Je peux ici ajouter le logo des ministères si je veux. Mais l'essentiel dans cette séance, c'est de vous montrer comment créer un modèle. Donc maintenant, j'ai mon modèle de bordereau d'envoi. Je peux diminuer le zoom pour que ce modèle vous paraît en entier. Donc voilà pour mon modèle. Maintenant, je vais l'enregistrer comme modèle. Donc je vais aller à fichier, puis enregistrer sous. Je vais choisir, par exemple, document. Et ici, je vais mettre modèle. Modèle bordereau d'envoi, donc voilà, je vais mettre 1 par exemple. Donc voilà le nom de mon modèle. Et attention, ici dans type de document, au lieu de document Word, je vais mettre modèle Word. Modèle Word pour un modèle simple. Si j'ai un modèle où il y a 10 macros, je peux mettre modèle prenant en charge les macros. Si je veux créer un modèle Word 97 ou 2003 pour, par exemple, l'utiliser avec une version antérieure, je peux l'enregistrer comme Word 97 ou 2003. Et si je veux mettre tout simplement modèle Word, et je vous rappelle que j'ai ici la version Word 2013. Donc je vais mettre enregistrer et comme vous voyez ici, Word enregistre les modèles dans le répertoire modèle Office personnalisé. Donc je vais mettre enregistrer et voilà, j'ai mon modèle enregistré. Je ferme le modèle, voilà, fermé. Et lorsque je veux créer un bordereau d'envoi, par exemple, je veux envoyer
je ne sais pas service comptabilité, je veux envoyer les pièces comptables, par exemple, à quelqu'un, par exemple. Donc, je vais faire fichier, nouveau, et là, je vais utiliser mon modèle créé. Ce n'est pas le modèle proposé par Word, mais mon modèle créé. Donc, je vais aller, au lieu de proposer, je vais cliquer sur personnel. Donc, voilà, personnel, et je vais chercher mon modèle. Donc, mon modèle, il est ici, modèle Bordereau Envoi 1. Je clique sur le modèle et j'ai mon modèle, j'ai mon bordereau déjà préparé. Ce n'est pas la peine de commencer à zéro la saisie du bordereau. Je vais seulement le compléter. Par exemple, je veux créer un bordereau d'envoi pour aujourd'hui. Nous sommes le 19 avril 2023, donc je vais mettre 19-4. Remarquez que Word vous aide à saisir les dates. Donc, il s'est fait d'appuyer sur Entrée pour, voilà, je vais appuyer sur Entrée pour qu'il ajoute la date saisie. Le numéro, par exemple, j'ai le numéro 34 sur MF, ministère des Finances, sur Direction des Impôts, DI, sur Service Comptabilité IC. Voilà donc pour mon numéro. Et je vais mettre Entrée. Et ici, je vais mettre A, monsieur, par exemple, le monsieur le directeur des impôts, par exemple. Donc, je vais envoyer à mon supérieur, ici, en Rabat. Donc, je clique ici, je vais mettre tabulation, ou bien, ici, augmenter le retrait. Donc, voilà, ici. Et pour Rabat, je vais cliquer deux fois, je vais mettre à droite, gras, et souligner. À monsieur le directeur, je vais l'augmenter, augmenter la police, voilà, mettre en gras. Donc voilà pour le destinataire. Ici, j'ai par exemple le numéro d'envoi 1, j'ai seulement une pièce, je mets échappe et ici je vais mettre par exemple pièce ou bien dossier comptable, je ne sais pas, dossier comptable, je ne sais pas, 2022. Le nombre, j'ai trois dossiers. Observation, je vais mettre ici pour attribution. Voilà. Et pour le total, j'ai ici trois. Donc, je vais envoyer seulement un dossier comptable. Et voilà, j'ai rapidement créé un bordereau d'envoi à l'aide d'un modèle. Je vous rappelle que lorsque vous envoyez toujours à une personne, vous pouvez ajouter le destinataire et la ville dans votre modèle pour ne pas les saisir à chaque fois. Mais c'est déjà pas mal, nous avons gagné l'entête, la date, le numéro, le bordereau d'envoi, le tableau, tout le tableau avec le pied de page. Donc nous avons gagné beaucoup d'informations et nous n'avons pas commencé à zéro. Donc je vais maintenant enregistrer ce document. Il suffit de cliquer sur enregistrer dans la barre d'outils accès rapide en haut à gauche. Et voilà, il me propose d'enregistrer par exemple ici dans document. Et je vais donner, par exemple, bordereau d'envoi, dossier comptable, directeur des impôts, et je vais mettre la date, par exemple, le 19 avril 2023. Je vous
suggère de bien nommer vos fichiers, vos documents. Pourquoi ? Parce que si vous voulez chercher dans 3 mois, dans 4 mois, dans une année, un document, par exemple un bordereau d'envoi, une lettre, un rapport, etc. Si vous laissez le nom par défaut document 1, document 2, vous risquez de ne pas trouver votre document recherché. Par conséquent, il est préférable de nommer vos fichiers et selon un format de nommage, c'est-à-dire toujours la nature de la pièce, bordereau d'envoi, le sujet, le destinataire, la date, toujours faire comme ça pour bien rechercher, repérer vos documents. Donc il ne me reste qu'à cliquer sur enregistrer et voilà, j'ai mon document et le modèle est toujours gardé intact. Donc je ferme ce document, j'ai terminé. Supposons que après 3 jours ou 4 jours, je vais envoyer par exemple le bilan de l'année. C'est très facile, fichier nouveau, au lieu de proposer personnel, et je vais choisir mon modèle bordereau d'envoi 1. J'ai toujours mon modèle vide, c'est-à-dire ce n'est pas le document que j'ai rempli il y a quelques instants où il y a l'envoi d'un dossier comptable. Donc ici j'ai toujours mon modèle. Ici je vais mettre la date, une autre date, par exemple le 23/4/2023. J'ai ici un numéro selon l'ordre d'enregistrement du courrier dans le registre départ sur ministère des Finances, sur direction des impôts, sur SC. On peut bien mettre ces initiales dans le modèle de notre document. Ici, le numéro d'ordre 1. Ici, bilan 2022. Donc j'ai oublié le destinataire, supposons que je vais envoyer à monsieur l'inspecteur des finances, c'est pas Tanger par exemple. Donc ici je vais cliquer ici, augmenter le retrait, voilà, pour la ville à droite, souligner, je peux mettre gras, je peux augmenter, voilà. Donc, bilan 2022, nombre, un seul bilan, 1, et je vais descendre en bas, je vais mettre ici, 1, et je vais enregistrer. Donc, j'ai mon bordereau d'envoi, je vais l'enregistrer. Donc voilà, il suffit de cliquer sur le bouton enregistrer ou bien fichier enregistré. Donc je vais le mettre dans document et toujours la règle de nommage bordereau d'envoi. Donc j'ai déjà mon bordereau d'envoi. Ici c'est le bilan 2022, je l'ai envoyé à l'inspecteur des finances et souligner la date, c'est le 23 avril 2023, enregistré, et voilà mon deuxième bordereau d'envoi. Je ferme. Si je veux réaliser ou bien créer un nouveau bordereau d'envoi, que ce soit tout de suite ou bien dans une semaine, dans 15 jours, ça dépend du travail, il suffit de cliquer sur fichier nouveau et chercher le modèle d'un personnel et le charger. Donc il y a toujours le modèle qui revient. J'espère que vous avez compris cette notion de modèle de document. Elle est très utile pour le travail administratif, c'est-à-dire lorsqu'on crée fréquemment des documents administratifs comme le bordereau d'envoi, la lettre,
une invitation, un rapport hebdomadaire, un rapport mensuel, je ne sais pas, n'importe quel document que se répète au lieu de créer à zéro, à chaque fois, commencer à zéro la création de documents. On utilise cette astuce de modèle de documents, modèle personnalisé, pour créer rapidement nos documents textes. J'espère que cette séance vous sera utile dans votre travail ou bien dans vos études. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.